Sur le gaffe à courir et toi. Faza haïti la vita na rewa. Hava na rewa. Na de boule à tsita canao. Na izao ware au fomba hitanao. Et fa kafa na tiza yisike. Si ni fuzika. Sai ma farine ci faraliana. Au large du continent africain, Madagascar, avec ses 592 000 km², est la quatrième plus grande île au monde. Cet immense territoire offre une gamme diversifiée de ressources, dont la plus connue est le riz. Sa culture remonte au XVIe siècle et maintenant présente une multitude de variétés que l'on peut trouver facilement sur le marché. C'est d'ailleurs la nourriture de base des Malagasques, car on en consomme 3 fois par jour. La cuisine malagasque est un éventail cosmopolite de saveurs et d'épices. Plus proche de la cuisine créole, elle est généreuse et très diversifiée. Faire voyager les papilles pourrait être une autre façon de découvrir un pays. Ainsi donc, nous allons passer une belle journée de partage chez Vligas, un hôtel ou encore un restaurant local qui se trouve ici à Anous, où Tonton Yvon, Toutou Moun et Rêve préparent des bons petits plats savourés de Madagascar qu'ils servent à midi. Donc, on va parler de déjeuner traditionnel malagasque. Zoom donc sur les plats du jour à essayer absolument pendant votre passage à Madagascar. Les repas du midi de Madagascar sur Canal Austral, c'est parti. Hôtel Vligas, tia, y fa na tatate amni, tel pultona tena no, na tiasti, pa ni tera na misena eto misy. Nenarako a tirai, sa miasa ta misy ifo. Tel zay ny ekipa ato a, ne sakotato zao a tel tona. Mahafinaritra aloha ilay izy, io koa zany miakina amin'ny fahasotoana. Rehefa tianao ilay asa dia ohatrany hoe ohatr'izay zany. Zay zany ny itiavako tato a, dia mahafinaritra aloha miara-miasa aminazy. Ie. Za Toutou Moun zany tompoko dia miasa atao amin'ny Monsieur Yvon. Dia ny sako tato zao efa 6 taona angamba tsy latsaka e. Ny tena asako ato zany mahandro, miservi. Ny tena fifaliako zany tompoko le teny client mpihinana mankafy an'le sakafo andrahoanay e, na fahadivana ary. Ie. Hôtel tsotsotra le izy fa tena ankafiziny rehetra ny mihinana azy. Ieny. Les hôtels gas font partie intégrante du paysage urbain à Madagascar. Ce sont des petits restaurants qui proposent des plats malagasques qui coûtent généralement entre 2000 à 3500 ariary, un prix à la portée de la majorité de la population. Spécialisé dans la cuisine locale avec une touche savoureuse, le Vligas de Dadatou Yvon fait partie des meilleurs hôtels ici à Anous. Les plats sont servis dans un décor qui rappelle la vie rurale de Madagascar. Ici, les assiettes, les couverts, le riz sont tous cassés et même le sourire de l'équipe. On va passer une très belle journée de partage avec eux. 4h30 du matin, j'ai un rendez-vous avec Oncle Yvon, Dadatou Yvon ici au grand marché d'Anous Bay. On a intérêt à se lever tôt pour la course car ici le matin, on a des produits frais pour un prix de gros. Ah, ça c'est le marché de Tantsa. Chez Vligas, les plats du jour sont créés dans une ambiance de l'équipe et dépendent de la variété de produits disponibles au marché, donc selon la saison. Ici, nous allons acheter les légumes, les céréales comme du haricot sec, des oignons et divers condiments. Je suis allé à la maison.
En attendant les produits frais de la boucherie, nous allons retourner à l'hôtel pour la mise en place de tout ce qu'on a eu ici à Nouspé. Mais avant toute préparation, on va monter notre petit abri repas. Au déjeuner, chez l'habitant, dans les petits ou grands hôtels, on a une grosse part de riz nature. Ici, le riz rouge est servi avec des légumes, des breads, des haricots et accompagné de temps en temps de viande, de poisson, des saucisses. Il y a aussi des achats de légumes, le rougail de tomate pour compléter le menu. Et comme un plat délicieux s'associe avec des produits frais, on va chercher nos viandes tout frais au marché de Somanatoumb. Voilà, madame, je n'ai pas de loup. Maintenant, on a tout ce qu'il nous faut pour la réalisation de nos plats du jour. Généralement, à partir de 7h à 7h30 du matin, Vligas accueille déjà ses premiers clients constitués par du personnel de l'hôpital à Achiera, juste à côté, des fleuristes, les agents administratifs, les fonctionnaires et même les chauffeurs de taxi ou encore les étudiants. Après quelques partages avec les clients, chacun a généralement son plat préféré. Quel secret dans la préparation de ces plats? On va commencer par le riz. Tout le monde va nous parler comment prépare-t-on le bon riz dur de Madagascar ou le varmain. Apprécions. Tereba botsipina de afanaina ny rano ampango tsara. Tereba mangotraka tsara ny rano dia izay vao arotsaka ilay vary. Mariana fa ny vary, ny vary nay izany dia misasa tsara intelo eo. Izay vao mirotsaka. Maraina izany izay dia efa misy vary maina masaka.
Amfito sasany eo zany. Defa mahamasaka moa ndraindray na fito mahery kely ara defa misy vary masaka eto. Mampiavaka ny sakafo ety zany a. Izy sakafo gasy zany. Tena hoe nahandro gasy dia sakafo gasy dia vilia gasy araka nylazainao teo. Dia izy ny vidiny koa atonona ihany ny fandraisana gasigasy. Ohatrany dia izay le tena mampazoto eto foana. Vary nazy tena miavaka nazy satria tena hoe hafa mihitsiny azy. Ny vilia gasigasy, ny sotro gasigasy, ny vary gasy. Dia miavaka kely amin'ny hôtely rehetrarehetra manodidina eto izy. Miavaka koa ny an'ny Monsieur Yvon satria ny azy ny loka tena ohatra ny nandrahoana any an-trano reny mihitsy. Ny vary koa arak'izay madio tsara, ara-pahasalamana zany moa e. Si le riz a toujours été l'aliment de base des Malagasy, il est consommé matin, midi et soir et souvent associé à des mets qu'on appelle localement le loka. Rev va nous partager les délicieuses recettes de quelques plats du jour à la façon Malagasy. Apprécions. Ni sakafo tsika io a dia tapakarakarana kotoleta. Satria izay tsy manao sakafo, tsy manao vary soa izay fa vary maina dia tonga dia kotoleta henakisoa. Izay noho ny ataonay voalohany. Ie. Tetehana tsara ny kotoleta, amboarina tsara moa izany. Dia ataingina ny kotoleta. Tongolo sy voatabia ihany ny ataonay miaraka aminazy. Ie. Koa dia sasakadiny ara dia efa masaka. Vetivety foana ny anaovanay an'io. Na ianao bôly izay a na akorony. Zaho moa tsy mihinana kisoa dia izay ihany zany ny tena hitako hoe mety aminahy na akondro. Fa ny tena finanako matetika aloha ianao bôly. Ny ianao bôly eto tena hafa mihitsy a. Anisan'ny sakafo na ataontsika androany izany a dia efa nyteneninay teo amboalohany. Ianao kisoa kotoleta saosisy ianao bôly dia eo ampanaovana ianao bôly ntsika izao. Dia anafangaro azy aloha tsika potikena, tongolo, voatabia. Izay izany ny fangarony. Izay izany tsy mampiasa episa. Eto amin'ny vilia gasy ihany io a. Asadino ilay vilia gasy. Fangaron-dotantsika faharoa petsay. Sasana roa tena intelo eo. Sasana intelo izany rehefa petsay ohatra. Dia arotsaka. Dia rehefa akaiky masaka iny izy dia asiana menaka tsotra. Dia tongolo. Tsy asiana voatabia. Asiana voatabia. Izao tsika dia manao lasary karaoty a. Dia fanaovanay vinaigrety. Manao vinaigrety mitokana. Dia vinaigre sy menaka efa mitambatra. Dia anafangaro anazy tsika. Dia ohatr'izao fanaovanay anazy. Afangaro. Mampiavaka loka tsika androany a dia misy pirina lena ihany koa izany a ho an'ilay olona tsy mihinana kisoa. Eny tsy voatery hoe ny olona tsy mihinana kisoa mihinana azy fa afaka mihinana azy daholo. Izay misy pirina lena atao aminay. Romatsatsa angivy sy ananambo. Zavatra tsy afaka misaraka amin'ny sakafo ataony rehefa ohatr'izao. Izy dia tsy vidina fa bonisy. Ho an'ny ty sakafo ataony. Ty sakafo atao aminay moa izany. Tsara, misy goany kokoa izy izany noho ny romatsatso afaka. Atao aminay a dia vary maina, kotoleta, trondro, henakisoa, saosisy, henabola miaraka amin'ny lasary. Dia sakay, tsy adino ny sakay. Ranon'ampango matoy tsara. Dia romatsatso no tsy adino izany. Izay eto amin'ny hôtely eto amin'ny voninkazo dia mandeha tananareo mpanjifa dia tongava misakafo fa tsara ny sakafo eto amin'ny voninkazo. Dia izay eto amin'ny voninkazo dia mirary sosony tsara fanareo eto amin'ny vilia gasy. Dia misaotra anareo indrindra dia mahazo to sakafo eto aminay dia manasa anareo izay tonga maro. Saotra to. Izay mpivarotra mpanao hôtely eto amin'ny vilia gasy izany tompoko dia manasa anareo mba ho tonga
antsifa sakafo nay fa tonga fa tena sakafo gasy no hitanareo eto amin'ny hotely izy dia gasy dia sy mbola tsy nahita ny toerana moa dia efa avy eo 54 bisy ampitany selona tompoko dia tonga fa mafa ho afa-po nareo koko dia misaotra tompoko afa-po tsara atreto aloha mafana tsara azo antoka tsara ny fadiovana ny tsindretrarehetra mafanentanana kely avaty amiko zany e tonga ava daholy ho an'izay mbola tsy nahita mora hita kely izy ampitany sel ampitany station sel dia eto akaiky ny mpivarotra voninkazo ety tongava misakafo fa vidiny mirary ny sakafo ara-pahasalamana ny sakafo tonga dia hoaninao mafana tsara tsy misy atahorana tongava tompoko voatsika namana sinyoko zany rehetrarehetra mbô manantony ety dia mbô manandrama fa ho tamany tsika Il y a toujours une boisson de table qui n'est autre que la traditionnelle Rannapang, donc à la jolie couleur ambrée. Tout est prêt maintenant. Dada Touyvon va écrire tous les plats disponibles en demi et en plat. Tous ces bons petits plats concoctés chez Ligas représentent bien la cuisine malagasse et de ce qu'on a au déjeuner. Notre but était de vous faire découvrir les plats traditionnels avec une touche personnelle et plus originale. Vive Madagascar, vive la cuisine malagasse! Dia mangataka anareo mpihinana rehetrarehetra zany mba zay mahatsara fa tsara tale zavatra dia mangataka mba hiverenana raha mahita an'ilay sakafo tsara manentanareo any ko mba anentana ny olona mbola tsy nahita fa ny sakafonay dia ary fomba madio ara-pahasalamana malagasy tanteraka satria ny vary dia vary gasy a loka amin'ny fomba malagasy ny andrahoanaovana azy dia izay fa dia manentana antsika tsirairay avy tompoko dia mahasotomana Nous pouvons dire que l'art culinaire malagasse est très diversifié. Dans chaque région de l'île, on a des spécificités à découvrir. Sachez que Madagascar ne se résume pas seulement à sa biodiversité, à ses lémuriens, ses baobabs, à ses arts artisanaux ou ses pierres précieuses, mais surtout à son peuple unique et ses nourritures très délicieuses. Que vous soyez donc un étranger, un malagasse, je vous invite vivement à goûter à nos petits plats très délicieux. Et ça, c'est facile à trouver dans les hôtels, donc dans les restaurants locaux. Par exemple, ici, à Anoussi, au marché aux fleurs, on a Vligasi, pavillon numéro 54 bis. C'est juste en face de la station pétrolière Shell. Je vous remercie vivement d'avoir partagé ces bons petits plats de Madagascar qu'on mange au déjeuner. Je vous donne rendez-vous toujours sur Canal Austral TV la semaine prochaine pour un nouveau thème toujours intéressant. Sur ce, je vous dis à très bientôt et bonne continuation. Veloumé! Nasai ma parine, si fanari.